Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Attends, versus reality. Oui, parce que ça fait très longtemps que je vous en avais pas fait. J'ai dû en faire 4 ou 5 sur ma chaîne. Je vous ai fait une petite playlist que je vous mettrai dans le petit quelque part par ici si ça vous dit d'aller voir les autres. Et c'est un attente versus réalité spécial Rose Girl et spécial grande taille encore une fois puisque vous le savez, je suis quand même presque de la grande taille. Je suis autour du 46-48 en bas. Et autour du 44 en haut, 46, ça dépend, ça dépend. Mais en tout cas, c'est pas forcément facile pour moi de trouver des vêtements à ma taille. Et du coup, moi je me considère encore dans la grande taille puisque bah, le 48, j'ai des hanches très très larges. Et du coup, bah, voilà, ça commence à être compliqué. Et après, cette troisième grossesse, ça n'a pas aidé pour mes hanches. Hein. J'ai encore plus les hanches larges. Du coup, sur Rose Girl, j'ai pu sélectionner grâce au site, hein, c'est le site vraiment, c'est un partenariat. Ils m'ont pas forcé, bien sûr, à dire quoi que ce soit dans cette vidéo à chaque fois, dans toutes mes vidéos. De toute façon, quand il y a des partenariats, je vous le dis. Et en plus de ça, je vous dis mon avis sincère, que ce soit bien ou pas bien. Hein, on m'a rien demandé de dire de spécial, à part vous mettre les liens en barre d'infos. Au cas où vous êtes intéressé, ce qui est normal. D'ailleurs, sachez, pour ceux qui ont vu ma vidéo bon plan que je vous remettrai ici, que Rose Girl fonctionne avec le site Poulpeo. Donc si vous passez commande sur le site Rose Girl, n'hésitez pas avant à mettre votre Poulpeo en route. Et si vous n'êtes pas inscrit sur Poulpeo, et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller lire ma barre d'infos et aller voir ma vidéo bon plan. C'est un site de cashback et vous pouvez récupérer du coup un petit pourcentage de votre commande Rose Girl sur Poulpeo. Si j'ai un petit code promo Rose Girl, je vous le mets aussi en barre d'infos au cas où ça vous intéresse, comme ça autant cumuler tous les bonus. Du coup, j'ai sélectionné plusieurs petites pièces. Je crois que j'ai pris deux pantalons, une robe et trois ou quatre hauts. Honnêtement, j'avais envie d'acheter plein de hauts parce que je vous avoue que sur Rose Girl, les hauts sont vraiment très très jolis. Maintenant, on va voir. Je sais que la dernière fois, la première vidéo que j'ai fait comme ça, attente versus réalité Rose Girl, je vous la mettrai ici. J'avais été plutôt déçue des tailles, pourtant j'essaye de faire attention aux tailles que je prends, etc. Mais j'avais été plutôt déçue. Là, espérons que ça aille et que ça va me plaire. J'ai deux accessoires. Donc comme c'est la mode des broches avec, vous savez, des espèces de perles là, je voulais en prendre mais sur le site ça coûtait cher, donc j'ai pas pris. Mais j'ai pris cette petite broche là et à chaque fois, comme d'habitude, je vous mettrai une photo ici avec le prix qui est indiqué sur le site, comme ça si vous voulez vraiment comparer le avant, après quand j'essaye aussi, et puis surtout avoir les prix. Donc voilà, là j'ai pris cette petite broche ronde, elle est très sympa. Je pense c'est des sortes de cristaux, mais en fait c'est du fake. En revanche, il y a un gros défaut dessus, je sais pas si vous allez le voir, si ça va faire là. Voilà, ici vous voyez, il y a des morceaux qui dépassent en fait, et qui du coup ne font pas partie de la broche, quoi. On va dire que ça, au lieu d'être bien arrondi, vous voyez, ça fait un peu beurre. Bon, après c'est un petit défaut que je vais pouvoir couper, hein. Je pense pas que ce soit trop grave. Et là je vois que ça commence déjà à se décoller, je sais pas si vous allez voir. Donc je crois que ça coûtait autour de 4 euros, ça commence déjà à se décoller. C'est un peu dommage parce que bah pour 4 euros quand même, hein, c'est censé un peu se tenir. Donc je vais recoller ça correctement. Mais voilà, après je me dis que cette petite pince, donc qui est bien, il y a l'étiquette Zafoul, hein, vous savez aussi, Zafoul c'est un site aussi, mais là ça vient bien de Rose Girl pourtant. Donc c'est une petite pince comme ça que vous pouvez mettre comme ça sur le côté de vos cheveux. Ça peut être très joli, hein, dans les cheveux, je me dis que ça peut être très sympa. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je voulais essayer, pas forcément les fameuses perles, mais essayer ce style-là. Donc plutôt sympa. Mais à part les petits défauts, je suis contente, ça peut être sympa de tester ce nouveau style de petits bijoux. Et en accessoire cheveux, encore une fois, donc là cette fois-ci il est enveloppé dans un paquet. C'est une sorte de pince, mais alors ils avaient mis une photo trop mignonne sur le site avec un chignon haut comme ça et la pince arrivait ici au niveau du chignon, c'était trop beau. Mais alors je voyais pas ça en pince en fait, je voyais ça plus en élastique ou quelque chose comme ça. Et en fait vous voyez, c'est un gros nœud or comme ça, il est vraiment très très beau. Au niveau des finitions, il est pas mal du tout, il a l'air plutôt bien. Il y a un petit fil qui dépasse, mais bon, ça va se couper. Et c'est, vous savez, ce genre de pince croco là. Les pinces croco, alors j'avoue que je voyais pas ça comme ça, mais bon après pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'au-dessus d'un gros chignon ça peut être joli, ou même pour ma fille en fait, je m'étais dit que ça pouvait être trop trop mignon. Donc ça c'est vraiment un petit accessoire qui me faisait envie sur le site. On passe maintenant aux tenues, aux vêtements et aux essayages. Comme d'habitude, je vous donne ma première impression, je vous mets le prix, la photo à côté de moi, et après on passe à l'essayage. Vous verrez du coup mon avis au moment de l'essayage, à voir si je suis conquise.
Ça m'a l'air d'être un petit... Ah oui, je me rappelle de ce petit haut. Alors tout est enveloppé, chaque produit est enveloppé dans ces pochettes là au nom de Rose Gall. Donc ça je trouve ça très cool parce que c'est des pochettes qu'on peut réutiliser même pour revendre. Enfin là j'ai pas l'intention de les revendre sur Vinted, mais pour mettre des vêtements et après les envoyer via Vinted, ça peut être très bien pour protéger, donc c'est cool. Et alors est-ce que je peux vous redire les tailles? Là il n'y a pas du tout écrit la taille, donc ça va pas m'aider. De toute façon j'essaierai de vous remettre. Ah si, XXL. C'est en fait une sorte de longue chemise que vous mettez comme ça par-dessus un débardeur qui est tout en dentelle, partout, hein, vraiment toute transparente, très longue derrière, qui finit en pointe et qui me disait bien pour la porter ouverte en fait. Alors il y a les boutons pour la fermer, hein, mais elle me donnait bien envie comme ça, ouverte, ça me donnait bien envie. Il y a pas l'air d'avoir trop de défauts, non, la qualité du tissu est plutôt pas mal, ça a l'air doux et la dentelle a l'air pas mal du tout, il n'y a pas l'air d'avoir de trous, vous savez, ou de petites choses. Donc hâte d'essayer pour voir ce que ça va donner sur moi. Alors ce premier haut il est vraiment trop beau, j'aime beaucoup la matière, il est vraiment agréable. D'ailleurs finalement je peux même le fermer, je me dis que avec un joli débardeur en dessous, parce que là j'ai un débardeur assez basique, mais avec un joli débardeur ça peut être très beau, ça fait une jolie touche sympa. Et il est parfait au niveau de la taille, hein. Si je le ferme il est très bien, il est quand même super long, très long derrière. Il arrive quasi au genou, avec un jean clair, je me dis que ça peut être très beau, je valide. Deuxième article, le voici, je pense que là aussi c'est un petit haut noir, oui, alors vous êtes habitué dans mes vidéos à avoir des hauts noirs, oui j'en prends, mais là j'en ai pris que un, et après c'est des hauts roses, oui parce que aussi les roses, vous savez que j'aime bien. Alors là, il était très beau en photo, et c'était un petit haut là pareil, avec de la dentelle et des broderies sur le dessus, des manches resserrées comme ça, par un petit nœud, donc manche en... j'allais dire trois quarts, mais non, pas vraiment, je dirais un quart, qui vont couvrir au moins ce que j'aime ici, ce que j'aime pas ici, donc de mes bras. En revanche, la matière a l'air rêche un petit peu, je sais pas si vous verrez, l'eau est très jolie comme ça, derrière il y a une sorte de petit V, mais la matière est assez rêche, et j'ai peur qu'il soit court, il me paraît court quand même, il me paraît large mais court, donc on va voir à l'essayage. Alors celui-ci, je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit des bêtises, mais ça c'est devant en fait, tout à l'heure je l'ai mis à l'envers et ça serre trop le cou, donc ça c'est devant et c'est très joli, j'aime beaucoup la dentelle, c'est juste magnifique, ça donne un côté hyper raffiné, le fait que ce soit resserré ici, on va dire que ça serre un petit peu, mais légèrement, c'est des faux nœuds, hein. C'est des faux nœuds donc on peut pas desserrer, mais ça choque pas, hein. Ça me coupe pas la circulation etc, la matière est pas mal, mais alors il est juste un chouïa court, mais bon c'est pas grave, je le mettrai quand même, je sais pas si vous verrez, vous voyez il arrive vraiment pile poil là quoi, un tout petit peu plus long, ça aurait été parfait. Mais je valide, je l'adore. Troisième petit haut, c'était encore dans une petite pochette. Alors c'est marrant, je le voyais beaucoup plus clair. Il est vraiment, je le voyais plus blanc cassé rosé, mais c'est un rose un peu plus saumon, orangé. Et c'est une sorte de petit haut qui avait l'air un peu, comment on dit, hippie chic. Vous voyez, un peu hippie. Je trouve ça sympa pour l'été. J'ai pris en 2XL, donc j'ai pris un peu grand parce que, ben, il n'y avait que ça en fait. Et il me disait bien quand même, il me plaisait bien. Donc il a l'air vraiment grand, j'avoue qu'il a l'air un peu large. Il se resserre au niveau de la poitrine, donc ça peut être cool, ça peut être joli en plus. Il a des petites dentelles comme ça. J'aime bien la couleur finalement, c'est une sorte de saumon comme ça. Et il a encore des dentelles au niveau des bras. La matière est ultra agréable. Bon, c'est une matière qu'il va falloir un peu repasser parce que sinon, je pense que voilà, hein, vous voyez bien. Et il m'a l'air quand même grand. Il m'a l'air un peu grand. On verra l'essayage. Alors celui-ci a vraiment un joli style hippie, finalement il est un peu grand mais ça passe, il est transparent en revanche, hein. On voit mon soutien-gorge en dessous, la matière est hyper agréable pour l'été, je pense que j'ai beaucoup aimé et finalement il a l'air pas trop mal, il est pas super supra long mais il est pas trop mal, il va être super agréable je pense pour les beaux jours, un peu beaucoup transparent non? Bon, celui-ci, je valide. Après, il faut que je me voie vraiment dans une glace, parce que là, j'arrive pas à me rendre compte. Mais je valide, il est très agréable, un peu transparent, mais pour 12 euros, il est plutôt sympa. Et finalement, 2XL, ben, c'est très bien.
Quatrième haut, toujours dans sa petite pochette. Ce petit haut là, il me plaisait bien aussi. Alors c'est encore un petit haut avec des épaules dénudées. Alors il faut savoir que j'ai essayé d'en acheter plein en version noire, etc. Dans mes précédentes vidéos, et à chaque fois en fait c'était trop grand au niveau des épaules dénudées. Je trouvais ça pas très joli et tout, mais bon. Encore une fois, j'ai craqué. J'ai pris donc ce petit haut là, qui est encore une fois rose un peu saumon. Vous avez des sortes de broderies sur les manches qui sont pas très longues, encore une fois, qui vont permettre de cacher vraiment ce que j'aime pas au niveau de mes bras. Il y a deux petites bretelles encore en version broderie. Il y a quand même pas mal de petits fils qui dépassent, il va falloir faire attention, il y en a beaucoup beaucoup. Je sais pas si vous les voyez bien, mais il y a pas mal de petits fils comme ça qui dépassent. Mais le tissu reste de bonne qualité. Pour 12€, je crois qu'il est en promo celui-ci, ça reste de bonne qualité. Bon, pareil, encore une fois, il va falloir repasser ce petit truc-là. Il a l'air plutôt pas mal au niveau de la taille. Et il y a encore de la broderie tout en bas. Il est vraiment beau celui-ci. J'ai hâte de le voir porter, voir s'il me va bien. Croisons les doigts. Alors celui-ci, grosse déception, je me suis attachée les cheveux pour que vous voyez bien, mais regardez-moi ça, il me serre, c'est un truc de dingue ici, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais comme c'est une matière hyper rigide, c'est pas du tout élastique quoi, bah ça me serre et du coup ça me coupe ici la circulation là, et j'arrive pas trop à le mettre correctement. Alors du coup vous avez un gros, et puis il a l'air encore une fois transparent, après il a l'air flashy à la caméra, mais il est pas flashy du tout, hein. C'est vraiment un joli rose. Il était bien long, c'est dommage. Il était bien long. Il était plutôt joli, mais un peu transparent quand même. Hein. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais... Non, c'est dommage, ici, ça me sert trop. C'est trop dommage. Là, je sais pas si je peux faire quelque chose pour ça, mais je vais voir. C'est dommage, parce qu'il est vraiment beau, mais voilà, il est... Ici, c'est pas taillé pour les grandes tailles, quoi. Pour les gros bras. Article suivant, une robe. Oui, je me suis lancée dans une robe. Hein. Regardez cette photo. Comme ça, vous allez bien voir. Est-ce que elle me donnait envie, parce que je me suis dit pour les beaux jours, ça pouvait être cool d'avoir une jolie robe comme ça. Et en même temps, je mets très peu de robes. Je me suis dit, bon, soyons fous. Testons cette robe. Là, c'était une... Alors, c'est quoi? C'est la version black. Est-ce qu'il y a la taille? Non, il n'y a pas la taille dessus. Peut-être que c'est écrit sur la robe. En tout cas, elle me donnait bien envie. La matière a l'air agréable, comme une robe un peu d'été. Voilà, ça a l'air sympa. Encore une fois, oh, elle a l'air large. Oh là là, elle m'a l'air trop grande. Clairement, elle m'a l'air trop grande. Mais pourtant, je crois pas avoir pris une trop grande taille. 1X. Donc, taille 48. J'ai pris donc une taille 48. Là, c'était dans la taille plus size, en fait, pour les plus grandes tailles. 48. Pourquoi j'ai pris 48? J'aurais pu prendre un peu plus serré en haut. Je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus. Bon, bah, on va voir. Après, ça peut être le genre de robe. Bah, elle me paraît vraiment trop grande. Ça peut être le genre de robe qu'on peut repiquer. Enfin, vous savez, reprendre à certains endroits pour que ça aille. Donc, encore une fois, épaules dénudées, des petites bretelles, un joli décolleté qui a l'air pas mal. La matière est agréable. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que c'était resserré. Alors, je sais pas si vous verrez, c'est resserré à la taille ici, et après bah voilà, c'est assez fluide comme ça, on ne verra pas mes rondeurs. Et alors en bas, c'est en pointe à certains endroits, vous voyez, ça remonte, c'est en pointe quoi. Ça a l'air plutôt joli, la qualité est pas mal. Alors c'est une matière un peu rêche, mais pour les journées d'été, ça peut être cool, mais j'ai peur que ce soit trop serré. Mais à chaque fois, c'est le problème avec moi sur les sites chinois. Je ne sais pas quelle taille prendre. Pourtant, je fais attention au guide des tailles. Mais je sais jamais, en fait. Parce qu'en haut, un 48, ça peut, c'est trop grand. Mais comme j'ai des hanches larges, bah, des fois, ça passe pas. Donc, enfin, ça passe au niveau des hanches. Mais si je prends un 44 et que la matière est pas élastique et tout, ça ne passera pas au niveau de mes hanches. Donc, c'est pour ça que je sais jamais. Comme on n'a pas la matière sous les yeux, bah, je peux pas trop voir. Et alors, je me suis lancée dans des jeans. Je ne sais pas ce que ça va rendre. Mon Dieu. J'espère que je ne me suis pas plantée. Alors, au niveau de la robe, ben, elle est pas mal du tout. Cette fois-ci, là, c'est très large, c'est très bien. Encore épaules dénudées. Mais ici, je pense que c'est parce que j'ai pris une taille un peu grande. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais on va dire que c'est un peu large ici. Là, on voit que, bon, alors, si vous avez une grosse poitrine, ça sera parfait pour vous. Mais moi, c'est pas mon cas.
Donc je sais pas, mais ça je pense qu'on peut faire un petit point et le resserrer, faire quelque chose de joli et plutôt sympa, et ça se verra pas parce que comme ici il y a le pli, bah voilà, ça se verra pas. Et sinon au niveau de la longueur, elle est très bien, avec des petites chaussures d'été et tout, je trouve qu'elle sera très jolie, elle va pas marquer du tout mes bourrelets ou quoi, donc je valide quand même parce qu'elle est très très jolie, juste il va falloir que, ça c'est moi, hein. Je me suis plantée sur la taille, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Des fois, je suis un boulet, hein. Donc là, il va falloir que je fasse un petit raccord. Donc, article suivant, ce petit jean. Alors, j'essaye de voir la taille. Où est-ce que c'est noté? Est-ce qu'il y a une étiquette? Size X, 2XL, je pense. 2XL, on dirait. Ça m'a l'air d'aller, mais alors, c'est une matière hyper stretch. J'avais envie de jean, parce que je galère à trouver des jeans. Et alors, j'ai rarement trouver des jeans un peu destroy comme ça en grande taille. Je vous l'avoue que moi en grande taille je trouve jamais des jeans destroy, donc je me suis dit pourquoi pas. Là je crois que c'est un jean un peu skinny, un peu court, je voulais le mettre avec mes baskets. Donc on va voir, il est destroy de chaque côté, hein. La matière est agréable, il est doux, il sent pas trop le fake entre guillemets, mais ça a l'air pas mal, donc on va essayer. Comment je suis contente, je rentre dans le jean, alléluia, je me suis pas trop gourée. Donc il est vraiment sympa, je vais essayer de vous montrer, mais il est vraiment beau. Donc comme je vous l'avais dit, il est un peu taille basse, donc bon, voilà. Hein. Mais il est trop bien, il est trop bien, il est trop trop bien. En plus, il tombe plutôt bien en bas, à mon grand étonnement, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis grande. Et du coup, ben, parfois ça fait pas beau. Donc je vous montre ça. Donc voilà comment il se présente au niveau de la taille. Il monte bien, même s'il est un peu taille basse, hein, comme je vous l'ai dit. Donc il est pas mal, hein, et voilà sur les jambes l'effet. Donc craqué, mais pas trop. C'est plutôt sympa. Et au niveau des pieds, vous voyez, il tombe quand même. Il n'est pas super loin, mais voilà. Je me dis qu'avec des baskets, je peux le remonter. Enfin voilà, il est vraiment top. On continue avec ce dernier article et dernier pantalon. J'en avais pris deux, comme je vous ai dit, un couleur jean et un couleur tout noir, comme ça. Il me plaisait bien, vraiment. J'avais envie de tenter les pantalons sur Rose Gall. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On verra, encore une fois. Ça va être ma phrase répétée 40 000 fois, mais j'espère ne pas m'être trop trompée dans les tailles. Je ne sais pas, en revanche, si on peut renvoyer. Je pense que oui, mais je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à aller zioter sur le site. J'avoue que je ne me suis pas penchée sur la question. Du coup, là, c'est un 1X, encore une fois j'ai pris un taille 48 parce que comme je vous l'ai dit je suis large, cette fois-ci j'ai pris ma taille logiquement, alors que la robe j'ai pas pris la bonne taille. Bon, bref, hein, le boulet, bonjour. Donc il a l'air plutôt pas mal au niveau de la largeur, j'espère que ça va trop large parce que du coup il a l'air bien large. J'ai l'impression que c'est en taille basse malheureusement, mais bon ça c'était un. Hein. Il est pas destroy, il est vraiment tout simple, mais il a une petite touch qui est en bas du pantalon. Je vous montre, c'est qu'il a de la dentelle en bas du pantalon. Et je trouvais ça très sympa. Je me suis dit que c'était la petite touche originale en fait du jean. Et c'est bien en matière jean, mais assez élastane, hein, assez qui s'écarte facilement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça rend. Encore une fois, avec des jolies baskets et tout, je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc, allez, essayage encore une fois. Deuxième jean, enfin deuxième et dernier jean, le noir. Il est pareil, très bien au niveau de la taille. Je pense qu'il va falloir même que je mette une ceinture parce qu'il est un peu grand. C'est le genre de jean, si vous vous baissez, et ben on voit vos fesses. Vous voyez le genre? Donc après, il est pas mal, hein. Mais il va falloir que je mette une ceinture, je pense. Alors la matière, elle est super agréable. Super agréable. Et il y a la petite touch là, qui est vraiment très jolie. Voilà la petite touche. Et puis bon, il n'est pas extrêmement long, hein, comme vous pouvez constater. Mais moi, j'ai pas l'intention, comme je vais mettre avec des baskets, je vais remonter, je vais voir comment je vais faire. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Bon, vous me retrouvez avec les cheveux en pétard après tous mes essayages. On fait le bilan du coup ensemble. Honnêtement, j'ai été vraiment conquise par quasi tous les produits, tous les vêtements que j'ai reçus. La petite déception, mais ça c'est encore une fois lié à la matière, parce que vous ne pouvez pas voir la matière, vous ne pouvez pas la toucher, contrairement au magasin. Du coup, bah, si par exemple je l'avais pu le toucher celui-ci, j'aurais vu que la matière n'aurait pas été au niveau des bras. Et je ne l'aurais pas acheté, mais là, comme je ne pouvais pas voir, je n'ai pas pensé sur le coup. C'est vrai que quand on est sur Internet, on ne pense pas forcément à ça. Donc, je suis un petit peu déçue pour celui-ci. Il faut vraiment que j'arrête de prendre les trucs avec les épaules dénudées parce que je me dis que c'est peut-être pas ce qui me va le mieux.
Mais comme d'habitude, vous en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé tel ou tel haut, telle chose. Ça m'intéresse, hein, votre avis comme d'habitude. Mais voilà, je suis un peu déçue par celui-ci parce qu'il me sert beaucoup trop et ça me flatte pas, on va dire. Hein. Et la robe, bah, pareil, encore une fois, si j'avais pu la toucher, j'aurais vu que c'était une robe assez fluide et j'aurais pris la taille en dessous. Je pense que là, comme j'ai hésité, j'étais pas sûre que ce soit une robe de ce style de matière un peu... élastique quoi, du coup j'ai pris grand en fait parce que je me suis dit si ça se trouve ça va être rêche et je vais pas pouvoir la mettre si c'est trop petit et tout, donc bon, je vais essayer de faire un raccord, ça n'empêche, et je pense que vous la verrez sûrement dans une vidéo peut-être, mais surtout sur Instagram en petite photo sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà pour mon avis sur les vêtements, mais sinon le reste vraiment conquise. J'ai hâte de les essayer maintenant dans mon quotidien, de remettre les pantalons avec une ceinture et mes petites baskets pour voir un peu si ça fait bien. Donc voilà, bon bah je vous montrerai ça dans des futurs weekly vlogs ou sur Insta comme je vous ai dit. N'hésitez pas à liker dès maintenant, à me dire vos avis en commentaire, ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça bien ou si vous trouvez que c'est pas terrible. Si vous avez déjà commandé sur Regal, bah n'hésitez pas à me dire vos avis aussi. Comment ça se passe pour les retours, je suis toute oui. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Salut !